nous occuper de l'examen. Et bien là, nous avons appelé ça, nous avons participation par nous. Côté, nous avons essayé de moderniser le système d'évaluation, plus précisément le système d'inscription. Dans le temps, il y a ce qu'on fait. Directeur de l'école, là, aller dans la direction départementale, là, il dépose le formulaire, il fait formule, il saisit le formulaire dans la direction départementale. La direction départementale prend toutes données, il met son CV ou bien son job, il vient avec le Binex, et puis Binex traite toutes données, et bien, il imprime le fiche par élève. Et bien, qu'on y a, pas rien encore. On a l'air, directeur de l'école, là, dépose le formulaire dans la direction départementale. La direction départementale n'a pas besoin de déplacer encore. D'un côté CD en dans ministère là. Pour la direction départementale là, immédiatement que l'app fait saisir, automatiquement il y a tout donné ça. Donc il fait en ligne. Donc avec problème que il y a un problème route bloquée, manifestation, mon pas qu'à déplacer, il y a problème machine, et bien plus que n'a fait inscription en ligne, et bien normalement qu'on y a côté il saisit en dans direction départementale là, et bien il est tout bien donné ça. Et maintenant, nous avons travaillé pour nous faire directement. On a cette direction départementale qui fait inscription qui veut l'entrer dans l'INEX. On a nous avancé vers la direction de l'école. Là. Pour la direction de l'école, elle a posé des données dans la direction départementale. La direction départementale là, et l'école a bien accès à ce système, à la plateforme, pour faire tout, pour tout entrer dans les élèves de la galerie. De façon pour pas aucun pour aucune difficulté. Ça veut dire directeur pas même besoin de déplacer pour aller dans la direction et département. Il y a seulement tout fait pendant yo dans l'école pas ou même yo ka tout fait avec y a bien accès normalement à système et ben yo fait toute inscription en ligne. OK. Mais maintenant ça yo qui doit déposer quand même formulaire juste pour contrôle pour si bon problème pour capable vérification mais direction l'école a fait tout ça en ligne normalement. Et puis deuxièmement tout d'après sur e-certificat et diplôme. Parce que nous remarquons que parfois, quand il y a un embouteillage, il y a un diplôme, un certificat, un relevé de notre. Eh bien, nous avons travaillé pour que l'élève là, côté élève là, et quel que soit le pays que l'élève, il monte sous système là, il prend un diplôme, il prend un relevé de notre. Et ceci, il y a tout légalisé. Pas qu'à faire d'algout, mais encore dans le ministère là, il y a un diplôme, l'élève là, surtout cap. Vient dans le ministère, vient chercher diplôme, ou bien la direction départementale là, il rentre en formulaire, direction départementale prend formulaire ça, livre le produit, puis fait certification sur Tipoli, qu'on a baissé ça, il n'est pas fait encore, côté élève là, en province, même s'il est dans un pays étranger, et bien là, quand monter ce système là, et bien il paye comme que l'UEPA, et bien certificat sorti, il imprime, après ça, il va y avoir des difficultés. Donc c'est dans tout le travail qu'on a fait pour améliorer le système de préparation, surtout l'inscription aux examens d'État.